Cédric, racontez-nous, ça a été une course infernale, une course d'enfer avec ces conditions météo. Racontez-nous comment c'est passé pour vous. Voilà, le but, l'objectif de l'équipe de France, c'était qu'on soit représenté au maximum et qu'on puisse suivre les coups qui sortaient, tout ça. Et en fait, la course est partie très très vite, c'était vraiment très très dur. Enfin, mais c'est ce qu'on avait, c'est ce qui était planifié au briefing, on s'y attendait quand même. Et on s'est vite retrouvés à trois avec Juliette, Evita et moi. Et donc il y a des coups qui sortaient. Et voilà, vu qu'on n'était plus que trois, donc c'est moi qui m'y suis collée. Je suis allée dans un coup, je pense que j'ai perdu une bonne cartouche. Et puis ensuite il y avait la montée pentue et j'ai pas réussi à suivre pour pouvoir les aider. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite pour elles. Je sais que Juju fait dans le top 10. Donc voilà, je pense que c'est sûr, il y a de la déception, mais d'un autre côté, on aura tout donné. Je pense que, ouais, à voir aussi le débriefing, quoi. Merci beaucoup, Céline. Merci.